Jean-Pierre, tu étais le référent, tu es le référent Covid pour le pèlerinage cette année. Comment est-ce que vous avez conçu tout le protocole et comment est-ce que vous avez organisé tout ça? Alors le protocole a été conçu en suivant les directives du gouvernemental et les directives ici du sanctuaire. Voilà, c'est Joël Pratt qui a mis ce protocole en place et nous avons fait qu'appliquer ce protocole en essayant d'être le plus rigoureux possible pour éviter bien sûr ce phénomène de dispersion du Covid. Voilà. Ça a été, dans l'ensemble, ça a été réalisé assez facilement et avec l'aide de tout le monde. Tout le monde s'est prêté au jeu, même si à l'accueil, je reconnais que ça n'a pas été facile pour accueillir tout le monde, prendre la température et enregistrer les vaccins qui n'étaient pas enregistrés. Mais bon, dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Quoi. Justement, là, on arrive au terme des 4 jours. Dans quelques heures, on clôturera notre pèlerinage. Est-ce que globalement, tu es satisfait du comportement des hospitaliers, de ce point de vue-là, et du respect des règles? Alors en règle générale, on sera satisfait. Bon, bien sûr, il y a quelques petits trucs à revoir si jamais, malheureusement, ça devait perdurer, cette situation. Il y aurait des choses à améliorer et des choses, des axes à travailler. Mais bon, en espérant que ce poste-là de Covid ne soit juste que passager. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Jean-Pierre et bonne fin de pèlerinage. Merci Paul.